Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conseil de Pro CGED, le rendez-vous immanquable de tous les professionnels de l'électricité. Dans cet épisode, nous traiterons d'un sujet d'actualité. En effet, nous allons aborder la mobilité électrique et la solution incontournable en résidentiel collectif. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. Nous n'allons pas vous présenter un produit ni deux produits, mais bien trois produits. Ces trois produits sont complémentaires et offrent une solution complète de recharge pour une installation en parking intérieur. La borne Witi de Aguerre fait partie de la catégorie des produits caméléons, qui s'adaptent à tout type d'environnement. On peut y avoir accès soit par clé, soit via une application smartphone lorsque la borne est reliée à un réseau internet. Elle peut être aussi bien installée dans des parkings privés collectifs que dans des parkings individuels. Son indice d'étanchéité IP55 lui permet également d'être installée en intérieur et en extérieur. La borne Witi offre une gestion optimale de la puissance de charge et un pilotage des heures creuses et des heures pleines. Dernier détail, mais pas des moindres, elle est ultra simple à installer. Mais comment alimenter une installation en résidence collective avec une solution en colonne horizontale? La Parkbox Start de Michaud relie la borne de recharge au réseau de distribution publique. Elle est parfaitement adaptée aux colonnes horizontales. Elle permet d'installer la borne de votre choix, dont la Witi de Aguerre, mais aussi de choisir son fournisseur d'énergie librement, EDF, Engie, Total Energy, ainsi que les puissances souscrites. 3 kVA, 9 kVA. Elle pérennise votre installation en protégeant le Linky des chocs, du ruissellement, de la poussière ou du voisinage. Son look est soigné et moderne, ce qui souligne son côté premium. On parle ici de l'armoire de comptage la plus fine du marché avec seulement 13,5 cm d'épaisseur. Donc, elle ne gêne absolument pas pour rentrer ou sortir le véhicule. Équipée en usine, elle vous fera gagner un temps précieux au montage. La connexion au câble IRVE se fait sans risque grâce à un système spécialement adapté aux câbles à double isolation. Parlons du raccordement de ces solutions, justement. Les chemins de câbles isolants proposés par Unex sont conformes à la NFC 1400 et aux exigences des gestionnaires de réseaux de distribution comme Enedis, par exemple. Ils offrent une seule solution sûre pour toutes les configurations de montage. Ces chemins de câbles sont aussi efficaces en intérieur qu'en extérieur, notamment grâce à leur résistance aux UV, aux intempéries et à la corrosion. L'enveloppe IK10 supporte des températures allant de moins 20 à plus 60 degrés. C'est du costaud. L'autre point fort de cette gamme, c'est la sécurité. Les matériaux isolants éliminent les risques de contacts indirects, ce qui vous assure une totale sécurité dans toutes les phases d'installation. Et pour la réalisation des dérivations individuelles, la goulotte de distribution certifiée NF IK10 permet une finition esthétique parfaite jusqu'à la place de stationnement. Vous l'aurez compris, en associant la Witi de Aguerre, la Parkbox Start de Michaud et les chemins de câble Unex, vous vous assurez une installation en résidence collective de manière simple et qualitative en toute sécurité. Vous pouvez retrouver tous ces produits chez CGED. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, nous y répondrons avec plaisir. Abonnez-vous pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Merci d'avoir suivi la vidéo et on se retrouve bientôt.